alchimie. Ce mot résonne en nous. Alchimie des mots, alchimie du verbe, alchimie des corps. Harmonie, fusion, élixir de vie, transmutation du plomb en or. Mots du présent et du passé, pratiques mystérieuses qui semblent appartenir à des pages dépassées de l'histoire. Et pourtant de nos jours, partout dans le monde, à l'abri des regards, des alchimistes œuvrent encore. Que cherchent-ils ? Quelle quête poursuivent-ils ? Ils sont entrés dans la légende comme de vieux magiciens barbus, faiseurs d'or, mais aussi comme des charlatans. L'imagerie populaire en a fait des êtres inquiétants, des fous à la poursuite de chimères, en tout cas des individus étranges qui suscitent en nous des réactions ambiguës, car ils touchent à nos aspirations les plus intimes, la richesse et la santé. À l'heure où les sciences, la biologie, la physique ont commencé à percer les secrets de la nature, leur démarche paraît singulière. Il est vrai que cet antre peuplé de feu, de fumée, d'eau et de couleurs a de quoi faire douter les scientifiques du bien fondé de tels travaux et de leur doctrine. Pourtant, ces hommes sont les héritiers d'une tradition millénaire et même de découvertes dont a hérité la science moderne. Une porte s'ouvre. Le voyage dans l'univers des alchimistes commence. Robert Delvar est cadre dans une grande entreprise. Il est aussi alchimiste. Depuis plus de 30 ans, il poursuit ses recherches. Les alchimistes parlent de la possibilité de transformer en langage moderne un élément simple en un autre élément simple. Autrement dit, par exemple, du plomb en or. Actuellement, dans les accélérateurs de particules, c'est ce que fait la physique actuelle. Et c'est là le gros problème entre la physique et l'alchimie, c'est le problème de l'énergie. Et les questions qui sont posées, c'est comment pouvez-vous prétendre, avec des instruments qui se rapportent fort de la poterie, de la vaisselle et un petit peu de l'enfantillage, comment pouvez-vous prétendre, vous, transmuter simplement en faisant découler des corps nus, des mélanges, etc. Alors que nous, avec des accélérateurs de particules géants, nous devons mettre en branle une somme formidable d'énergie pour pouvoir toucher les noyaux atomiques, les faire exploser, les transformer en d'autres éléments. Les objectifs des alchimistes et des scientifiques peuvent en un sens paraître identiques. Pourtant, ils correspondent à des visions du monde fondamentalement différentes. Bernard Bibel, depuis des années, étudie et recopie des livres anciens traitant d'alchimie. Ces images et ces écrits ésotériques nous plongent dans un univers où se mêlent évocations de philosophes de l'Antiquité, allégories, symboles, explications à première vue incompréhensibles de procédés chimiques. Ces manuscrits ouvrent la voie secrète de l'obtention de la pierre philosophale. Dans ce livre, vous allez trouver toute la science hermétique, c'est-à-dire toute l'alchimie, les manipulations y sont expliquées, les opérations, comme on disait, qui se passent dans le laboratoire, dans le fourneau, parce que c'est quand même une science matérielle. Il y a une concordance entre la démarche, qui est purement livresque, la spéculation, dirais-je, l'étude, et il y a la pratique aussi au fourneau. L'alchimie, pour moi, c'est une connaissance de la nature, de la vie, de ses lois. C'est évidemment au travers de cette connaissance que le philosophe comprend les règnes et chaque règne de la nature, l'animal, le végétal, le minéral. À travers sa quête de la transmutation, l'alchimiste revit et nous transmet les grandes interrogations de l'homme face aux secrets de la nature et de la matière. Il est aussi de ceux qui depuis toujours veulent percer les mystères de la vie. Toutes choses naissent et disparaissent.
L'homme devient chair, puis retourne à la poussière. Tout est métamorphose. Dans la nature, les éléments se transforment. L'eau en vapeur ou en glace, les roches en lave et en feu. Ce feu qui transforme la vie en cendre. La cendre d'où jaillit la vie. C'est dans la métamorphose que peut apparaître le secret de la vie. C'est là que l'alchimiste va le chercher. Du ventre de la terre émergent les matériaux qui vont permettre l'éclosion de la civilisation. L'homme capture le feu, découvre la transformation des métaux. La puissance et le pouvoir passent successivement des hommes de l'âge de cuivre à ceux de l'âge du bronze, puis à l'âge du fer. Et depuis, nous continuons à rêver à un âge d'or. L'origine de l'alchimie reste méconnue. Elle entretiendrait une relation intime avec les forgerons. Ces personnages craints et vénérés connaissent les entrailles de la terre et savent extraire des minerais les métaux sacrés pour forger à la fois le glaive du guerrier et la charrue de l'agriculteur. Dans les textes religieux, dans les mythes, ils occupent une place déterminante. Caïn dans la Bible, Héphaïstos dans la mythologie grecque, Vulcain à Rome. Dans de nombreuses cultures, l'alchimie a laissé son empreinte. Des traditions se sont perpétuées en Chine, en Inde, peut-être en Mésopotamie et en Afrique. Au cours des siècles, des échanges semblent avoir eu lieu. Ces traditions ont sans doute un fond commun. Mais pour les alchimistes occidentaux, les sources de leur art se trouvent autour de la Méditerranée, plus précisément en Égypte. Les peintures et les hiéroglyphes racontent les travaux des métallurgistes, la sacralité des météorites tombées du ciel et la fascination pour l'or. Métal sacré, symbole de pureté et seul métal qui ne se corrode pas. Son éclat rivalise avec celui du soleil. On l'appelle la chair des dieux. Il accompagne l'âme du défunt vers la lumière et l'immortalité. Le Nil est un don des dieux. Chaque année, il dépose le limon noir. Cette terre noire putréfiée porte en elle les germes de la vie. Il est le symbole d'un pays. Dans les livres d'alchimie, la putréfaction de la matière sera une étape primordiale. Les métallurgistes et les orfèvres de l'Égypte pharaonique sont eux aussi les héritiers d'une tradition ancestrale. Ils sont passés maîtres dans l'art de la chimie des alliages. Ils calcinent, réduisent, oxydent, unissent ou désunissent. Ils connaissent aussi l'art de la teinture des métaux et savent donner l'apparence de l'or ou de l'argent. En imitant la nature, l'artiste montre qu'il en est le maître. Teindre, en attribuant à un métal les propriétés de l'or ou d'un autre métal précieux, c'est déjà opérer une transmutation. Parmi les rares documents de cette époque qui nous sont parvenus, aucun n'est alchimique. Les papyrus ne livrent que des recettes techniques et médico-pharmaceutiques. À la suite de plusieurs chercheurs, Helmut Gebelein, professeur de chimie à l'université de Gießen en Allemagne, a étudié l'histoire de l'alchimie. C'est une démarche nécessaire pour comprendre l'histoire des sciences et des idées. Dans son laboratoire, il reproduit certaines recettes qui devaient être connues des orfèvres. L'une consiste à imiter l'or. Plongée dans une solution de sulfate de cuivre, la pièce de fer devient couleur cuivre. Cette pellicule de cuivre plongée dans du zinc et diluée dans du natron se colore en argent. Et la couleur argent, chauffé, donne un laiton doré, l'or. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand envahit l'Égypte. La culture grecque va se mêler à la culture égyptienne, puis peu à peu la supplanter. Thoth, dieu égyptien de l'écriture et de la connaissance,
est assimilé à Hermès, messager des dieux et transmetteur des sciences. Hermès va devenir le fondateur mythique de la science des alchimistes, qui puise aussi chez les philosophes grecs comme Platon et Aristote la représentation du monde et de la matière, des conceptions de la nature qui vont perdurer jusqu'au XVIIIe siècle. Le cosmos s'organise en plusieurs niveaux. Les hommes vivent sur Terre, dans le monde sous la Lune, monde de transformation, de corruption, de chute. Au-dessus d'eux, au-delà de la Lune, existe un monde pur, où toutes les choses sont éternellement les mêmes, composées d'un élément pur, l'éther. C'est le monde des planètes, puis le monde des étoiles fixes, et au-dessus, celui du démiurge, le Dieu. Ce monde forme un tout, un corps animé par une âme, un souffle qui pénètre tout, le pneuma. Cette unicité de tout comme le cycle des transformations et du temps est symbolisée par le serpent. À l'origine de tout, il y a un Dieu unique, créateur d'une première matière informe et potentielle. On considère que tous les êtres d'ici-bas sont composés d'une matière indéterminée qui leur est commune à tous, et d'une forme qui leur est propre. C'est ainsi que les choses et les êtres sont ce qu'ils sont. Leur forme se matérialise par le biais de quatre éléments, la terre, l'eau, l'air et le feu. Les alchimistes vont retrouver ces quatre éléments en décomposant les choses. Par exemple, lors de la combustion d'une bûche, il se dégage de la terre, de l'eau, de l'air et du feu. Ces éléments qui constituent tous les êtres de ce monde peuvent se transformer les uns dans les autres, et cela grâce aux qualités qui leur sont propres. La terre est sèche et froide. Froide et humide est l'eau. Humide et chaud est l'air. Chaud et sec est le feu. La transformation d'un élément en un autre se fait par la qualité commune. Le froid pour la terre et l'eau, l'humide pour l'eau et l'air, le chaud pour l'air et le feu, le sec pour le feu et la terre. Pour obtenir la transmutation d'un métal en un autre, le travail de l'alchimiste consiste dans son creuset à obtenir la matière première originelle qui constitue toute chose. Il obtiendra cette matière première originelle en œuvrant sur les quatre éléments. Il pourra alors retrouver une nouvelle forme, celle de l'or. Parmi tous les matériaux sur lesquels il agit pour obtenir cette matière première, il peut choisir les métaux. Pour les alchimistes, les métaux, c'est une eau. Les métaux ne sont pas des solides tels que nous l'entendons. C'est une eau. Parce qu'un métal qui est chauffé devient liquide. Il prend donc la caractéristique eau. L'eau, en somme, elle est représentative du chaos, d'une matière inorganisée. Au centre de la Terre règne ce chaos. Les vapeurs, les exhalaisons qui en sortent se condensent et engendrent les métaux. Les métaux sont vivants, mais leur progression vers le haut, vers la lumière, est altérée par des influences célestes. C'est ainsi que vont se former sept métaux. D'abord le plus impur, le plomb, puis l'étain, le cuivre, le fer, le mercure, l'argent et enfin l'or. Le plus proche des cieux, le plus pur. Faire de l'or, pour un alchimiste, c'est donc retrouver dans la matière la voie qui conduit à la purification. Il y a tout d'abord, sur cette image, le philosophe, le sage, l'alchimiste, qui, lui, va chercher sa première matière dans la mine. Il va creuser la mine pour récupérer cette première et précieuse matière, sur laquelle il va travailler, qui est en fait la lune des philosophes. C'est pour ça qu'on la,
On l'a montré sous la forme d'un croissant, mais sous la forme croissante, ça veut dire qu'elle n'est pas travaillée. On va la faire croître, on va la faire fructifier. Santiago Yuban est espagnol. Il est éditeur et alchimiste. Il a épousé la philosophie des anciens. Pour lui aussi, la nature est imparfaite. C'est dans les entrailles de la terre qu'il faut aller chercher la matière première. Il en dégagera ces quatre éléments pour recommencer ainsi le processus de création de la nature. Visita interior de la tierra. Hay que descender al centro de la tierra para que naturaleza te muestre sus misterios. Mira, mira, cómo crece. ¿Ves? ¿Ves? Naturaleza no sabe cómo arrancar. Yo oigo ahora a la naturaleza que está diciendo ayúdame y yo te ayudaré. Yo lo estoy oyendo, lo estoy viendo. Y este es el libro de la naturaleza. Este es el libro de la naturaleza. Alexandrie. Au deuxième et troisième siècle après Jésus-Christ, les cultures et religions chrétiennes, païennes, juives coexistent avec des courants mystiques et gnostiques. Pour les gnostiques, toute matière est mauvaise. Elle est le résultat d'une chute. L'homme, en se faisant jeter hors du paradis, d'esprit est devenu matière, façonné par les quatre éléments et happé par la pesanteur terrestre. Séparer le subtil de l'épais, l'esprit de la matière, et la voie pour accéder à la rédemption. Pour mieux comprendre ces interprétations, Santiago Yuban a reconstruit une kerotakis, un four que l'on utilisait pour brûler les minerais et dont les émanations coloraient les métaux. C'est une parfaite image du monde. En su parte inférieure, nosotros tenemos la zona del fuego. Dans la partie inférieure, l'espace du feu, c'est l'enfer, le monde inférieur. Ici, une chambre, elle reçoit l'eau, c'est l'océan céleste, la mer des philosophes. Là, l'azote, le dissolvant, il est chauffé par le feu d'en bas. Les vapeurs s'élèvent dans cette chambre. La table d'émeraude dit d'ailleurs, le vent l'a porté dans son sein. Les vapeurs montent jusqu'à la voûte céleste, se condensent dans cet univers froid. Elles se coagulent puis redescendent. Et ces forces, ces éléments qui circulent de l'inférieur vers le supérieur, donneront naissance, avec l'aide de Dieu, à l'objet de notre quête. Sous le sceau d'Hermès, dans le vase où le creuset hermétiquement scellé, l'alchimiste remet en scène le drame de la matière. Pour lui, séparer selon leurs affinités les éléments de la matière revient sur un plan symbolique à atteindre Dieu en séparant l'âme du corps. Les écrits des alchimistes de cette époque sont parfois des récits de rêves, où les procédés techniques sont présentés sous forme de visions mystiques.
voici le rêve que nous raconte l'alchimiste Zosime. Après avoir été plongé dans l'obscurité, un prêtre gravit des marches. Il est alors démembré, écorché, jeté au feu. C'est alors qu'il vomit ses chairs. Dans un bassin bouillonnant, des hommes subissent le rituel de purification. Le prêtre devient tour à tour plomb, cuivre, argent et or. Il a appris à devenir esprit par la transformation du corps. Entre le métal, corps grave et lourd, et l'esprit, subtil, le rêve est intermédiaire. Si tu ne dépouilles pas les corps de leur nature corporelle, et si tu ne donnes pas une nature aux êtres incorporels, rien de ce que tu attends n'aura lieu. Là, c'est une phase qu'on pourrait nommer la phase du démembrement. Le corps est rompu. Lui a conservé la tête ou la partie spirituelle du composé puisqu'il l'en sert contre lui. Et la partie du corps qui est la partie physique, qui est la partie malade si l'on peut dire, est séparée. On a séparé donc la lumière des ténèbres. On ne peut pas remonter au créateur sans le secours de la matière créée. C'est au travers de la matière qu'on apprend à connaître l'origine de toute chose. C'est le grand miroir de la nature. Au IVe siècle après Jésus-Christ, la civilisation égyptienne est pratiquement éteinte. On ne sait plus lire les hiéroglyphes. Sa culture est devenue mythique. Rome, qui a depuis longtemps conquis ces régions, se méfie des pratiques mystiques ou apparemment magiques des alchimistes. L'Empire craint surtout que ceux-ci fassent de l'or et aident les mouvements subversifs. On ordonne de brûler les manuscrits d'alchimie. Mais les alchimistes se répandent avec leurs papyrus dans l'Empire romain d'Orient, à l'est de la Méditerranée. Ils se rendent à Athènes, à Byzance et dans les territoires de l'actuelle Syrie. Ils séjournent à Harran, où des manuscrits seront traduits en syriaque. Au carrefour des cultures orientales et occidentales, Harran est un centre réputé de métallurgie. 7 temples sacrés y ont été édifiés, en forme de croissant de lune, chacun dédié à un dieu planétaire. Il matérialise ainsi les correspondances fondamentales pour l'alchimie entre les 7 planètes, les divinités, les métaux et les couleurs. Ainsi la lune correspond à l'argent, Mars au fer, Vénus au cuivre, le soleil est l'or. Hermès, le dieu Mercure des Romains, est le Mercure. Lorsqu'il conquiert le Proche-Orient à partir du 7e siècle, les Arabes intègrent les cultures des pays conquis. Ils font traduire dans leur langue les textes scientifiques et philosophiques grecs, et dit-on en premier lieu, les textes alchimiques. L'art sacré les fascine parce qu'il est une réponse à leurs interrogations sur les phénomènes de la nature. D'abord parce qu'il est une science, une physique qui permet d'expliquer le monde, d'explorer la matière, les plantes et les métaux, mais aussi parce qu'il doit permettre la fabrication de l'or. Ce sont les Arabes qui forment le mot alchimia, d'où vient le mot alchimie. Kimia viendrait de Kem, la terre noire, l'ancien nom de l'Égypte, mais plus vraisemblablement du mot grec koumen, qui signifie verser sur le feu, fondre un lingot, ou de koumos, le suc qui s'élève dans la plante. Les Arabes commencent à pratiquer l'alchimie et à écrire des textes présentés parfois comme des textes anciens. Ainsi, c'est à eux que l'on doit la fameuse table d'émeraude, ce texte qui aurait été trouvé gravé sur une pierre d'émeraude
à l'intérieur du tombeau du dieu Hermès. Il est vrai, le plus haut vient du bas, et le plus bas vient du haut. L'œuvre du miracle vient d'une chose unique, par un procédé unique, tout comme les choses proviennent d'une matière unique. Le soleil en est le père, la lune en est la mère. Le vent l'a porté dans son ventre, la terre l'a nourri de son lait. Le feu devient terre, le subtil est plus noble que le grossier. Il monte de la terre au ciel et retombe sur la terre. De là, il reçoit la force du supérieur et de l'inférieur. Il est la force des forces. Dans ce texte, on retrouve la notion d'unité de la matière et de force présente dans la nature. L'alchimie arabe se développe notamment dans les milieux mystiques proches du chiisme. Elle va apporter une contribution aux sciences de la matière et élaborer des théories pour progresser dans la recherche spirituelle. Elle modifie les théories des métaux et définit deux principes dont se servent encore les alchimistes contemporains, la théorie du soufre et du mercure. Les métaux sont le fruit d'exhalaisons émanant de la terre. Sèches et chaudes, air et feu, elles sont symbolisées par le soufre qui est soleil, principe mâle et actif. Humides et froides, eau et terre, elles sont symbolisées par le mercure qui est lune, principe femelle et passif. Le monde s'organise autour de ces deux principes. La nomenclatura. La nomenclatura, exacto. Exacto. Espíritu de vino, aguardiente. Dans les manuscrits qu'ils étudient, Santiago et son ami alchimiste Manuel approfondissent cette théorie soufre et mercure. Para los alquimistas musulmanes, pour les alchimistes musulmans, Allah est le créateur. Et pour créer le monde, il a utilisé un instrument, le Ruh. L'alchimie chrétienne le nomme l'esprit universel. C'est le Ruh Elohim de la Bible. Saint Jérôme, lui, parle des eaux supérieures. Donc ce Ruh est ce qui fut créé en premier. Il est identifié à la lumière, comme dans la Genèse. Il est seul. On ne peut le comparer à rien d'autre. Alors en lui se matérialisent deux pôles qui vont se séparer. Tels des ondes, ils forment les deux états extrêmes de la matière qui vibrent en un mouvement pendulaire. Les Arabes apportent également la théorie fondamentale de la balance. De l'équilibre entre le principe soufre et le principe mercure dépend de l'harmonie et la pureté de la matière. Ce sont des états dynamiques, jamais au repos. Le soufre tend vers l'état mercuriel et le mercure vers l'état soufre. L'un et l'autre ne sont pas stables. Entre eux, toute matière subit des états intermédiaires, tantôt plutôt soufre, tantôt plutôt mercure. Ces états intermédiaires sont appelés mêlés, des états salins. Le sel balance entre soufre et mercure. C'est la vie qui est ce sel, et nous, êtres vivants, nous existons entre deux pôles, la naissance et la mort. Médecins et pharmaciens alchimistes appliquent la science de la balance qui doit permettre aussi de fabriquer l'élixir de vie. En effet, comme les métaux, l'homme est composé d'un soufre et d'un mercure et tout déséquilibre entre ces deux principes rend son corps malade. Et l'élixir de vie permet de rétablir l'équilibre parfait. Ici, nous sommes dans le livre des figures hiéroglyphiques d'Abraham Juif, donc le livre qui aurait été donné à Flamel. C'est un livre d'emblèmes, d'images. Ici, nous avons donc le cadicet de mercure, hein, où on y voit les deux dragons entrelacés, qui sont le soufre et le mercure.
Et le bâton qui vient couper le cercle qui est formé subtilement par les deux boucles des serpents qui marque le symbole du sel, donc de cette matière qu'il faut aussi connaître et savoir introduire dans la matière. Et là, c'est l'ange qui détient la clé. La première clé est celle qui ouvre les prisons obscures dans lesquelles le mercure est enfermé. Dans la mythologie, Mercure était l'intermédiaire entre les dieux, tout comme notre mercure, notre matière, notre mercure est l'intermédiaire entre le dieu terrestre, c'est-à-dire le souffle, et le dieu céleste, qui est donc la vie. En poursuivant leurs recherches alchimiques, les Arabes acquièrent une grande maîtrise dans le domaine de la chimie. Ils isolent des substances, découvrent des acides, établissent une classification des métaux. Ils développent la distillation fractionnée qui permet de séparer les substances lourdes des plus légères au sein de la matière. Leurs investigations ne s'arrêtent pas à des travaux de laboratoire. Leur volonté d'une compréhension globale du monde les conduit à appliquer leurs spéculations à d'autres domaines, comme celui du langage. C'est Dieu qui a inventé le langage et l'alphabet qui forme les mots. Ces mots sont aussi des substances. Ils sont la matière de notre monde. Ainsi, en déchiffrant les combinaisons des lettres de l'alphabet, comme on étudie les liens chimiques entre les substances, nous pouvons espérer remonter au verbe initial, celui qui est à l'origine du monde. Je connais un joli texte qui raconte l'histoire suivante. Quand Dieu a créé Adam, il l'a fait roi de la création. Il lui a donné un trône, une couronne et un sceptre. Le trône, c'est le langage humain, la voix articulée. Le sceptre, c'est la graphie, l'écriture. La couronne, la numérotation, le calcul. Avec le langage, l'écriture et le chiffre, on peut dominer la nature. L'alchimie se répand dans le monde musulman, particulièrement en Espagne, où les savants juifs et arabes lui donnent un essor remarquable. C'est cette culture que va découvrir le monde chrétien. Des savants convergent vers Salamanque et Tolède. Souvent ce sont des moines, et ils traduisent les textes arabes en latin. À partir de ces textes, parfois attribués à des personnages mythiques, copiés et recopiés avec ce que cela suppose d'erreurs, ils redécouvrent les philosophies antiques, les mathématiques, l'astronomie, de nouvelles conceptions de la nature. Les livres d'alchimie constituent une grande nouveauté. Ce sont des traités qui permettent de renouveler l'étude de la matière. Ils apportent des méthodes expérimentales nouvelles. Ils mêlent descriptions d'études de laboratoire, termes techniques et procédés de chimie. Il livre surtout la voie à suivre pour réaliser la transmutation des métaux en or, le grand œuvre. Mais cette voie reste toujours masquée derrière un langage hermétique. En Europe, dans leur couvent, les moines poursuivent en silence leur quête de la connaissance. Il faut lire, même si vous ne comprenez pas les textes, il faut les lire, les relire, passer à un autre, le relire, et vous verrez tôt ou tard, tiens, il a dit ça à telle page, je vais y revenir. L'importance aussi, c'est de copier. Il y a une communication, ou peut-être même une communion avec le texte. Vous l'avez recopié, vous en faites partie, il fait partie de vous. Et c'est une quête. C'est vraiment un apprentissage. J'apprends encore aujourd'hui, tous les jours. Dans ce monde occidental profondément chrétien, certaines conceptions du monde héritées des philosophies grecques, notamment d'Aristote, s'oppose à la pensée de l'Église, par exemple l'idée que le monde est éternel, qu'il possède une âme semblable à celle que nous possédons. L'enjeu est de synthétiser la science grecque transmise par les Arabes avec la vision chrétienne du monde. L'alchimie, par son approche scientifique de la nature, par son intérêt pour la matière, fait partie de cet enjeu. Dans les grandes universités européennes,
À la Sorbonne, à Paris, les concepts et les pratiques alchimiques sont reçus avec méfiance. L'enseignement scolastique accepte difficilement de souscrire aux théories de gens qui ne sont pas de purs théoriciens, mais qui travaillent la matière avec leurs mains. Faire coïncider foi et raison est bien difficile. L'alchimie n'est pas en odeur de sainteté, mais cela n'empêche pas des savants comme Albert Legrand ou Roger Bacon d'y attacher une grande importance. Ils peuvent remettre en cause la croyance en des métaux vivants, doutent parfois de la possibilité pratique de la transmutation, mais ils l'acceptent sur le plan théorique. Ils apprécient dans l'alchimie ses méthodes d'investigation et ses applications pratiques. Pour eux, l'alchimie est une science expérimentale, même si elle doit rester assujettie à l'ordre du monde expliqué par la théologie. À cette époque, beaucoup de moines réprouvent les fastes de l'Église. Dans le sud de la France et en Italie du Nord émergent des mouvements religieux qui condamnent ces excès. Et puis, en ces temps troublés, l'Apocalypse est annoncée. Seule la pureté assurera le salut. Sous l'influence de saint François d'Assise, des moines, souvent médecins, prônent la pauvreté et l'aide aux nécessiteux. Ils se tournent vers l'alchimie pour trouver une réponse à cette exigence. Dans leur laboratoire, en distillant le vin dans leurs alambics, ils obtiennent une substance nouvelle, qu'ils assimilent au cinquième élément des philosophes grecs, à la quintessence, à l'éther. C'est l'alcool, la substance pure, l'eau de vie. C'est cet esprit, ce spiritus, qui soignera le monde. Si ce spiritus mundi existe déjà dans les éléments qui composent le monde sublunaire et qui sont soumis à la mort, à la putréfaction, à la corruption, etc., ça prend une autre dimension. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'homme peut, en suppléant à Dieu, acquérir lui aussi cette essence divine, cette quintessence. C'est une véritable révolution, un changement de conception du monde. On découvre que la pureté, l'éther, que l'on croyait présente uniquement dans le monde au-dessus de la Lune, traverse la frontière entre le monde du pur et celui de l'impur, et peut être trouvé au sein de toute matière. Il suffit pour l'extraire de mener à bien une purification. Dans ce contexte mystique, les alchimistes établissent un parallèle entre le Christ et la quintessence, ou l'élixir. Comme le Christ, la quintessence est descendue dans un corps. Comme le Christ, elle sauve les hommes en les soignant. Comme lui, elle doit souffrir, mourir à elle-même pour ressusciter dans sa pureté première. C'est le processus de la distillation et de l'extraction. Ainsi, l'homme peut donc être sauvé et accéder à Dieu. Toutes les manifestations des phénomènes que nous observons ont un sens parce qu'un devenir. Et que ce devenir, et là c'est un article de foi, bien entendu, que je laisse libre à chacun d'avoir ou ne pas avoir, c'est donc de retourner vers Dieu. Il se trouve que j'ai choisi l'alchimie comme étant une voie, ou plutôt un petit sentier très tortueux pour retrouver quelque part Dieu. D'autres auront pris d'autres chemins. Il ne m'appartient pas à moi de juger du chemin. Moi, j'essaie de gravir le mien et surtout de le gravir avec humilité et honnêteté. Parce qu'en alchimie, on peut tromper les autres, mais on ne peut jamais au laboratoire se tromper soi-même. Si l'or est le symbole d'une quête spirituelle, il est aussi l'objet d'une convoitise purement matérielle. C'est ainsi que l'histoire de l'alchimie s'est trouvée associée à celle de faux monnayeurs, habiles à teinter les métaux pour tromper le chaland. À cause de cela, l'alchimie fut critiquée et condamnée par les rois qui se réservaient le droit de battre monnaie. On raconte l'histoire de ce roi d'Angleterre qui, pendant la guerre de Cent Ans, inonda la France de fausses monnaies alchimiques pour déstabiliser son économie. Il ne faut pas faire de bêtises.
l'alchimie va aussi se trouver mêlée à des conflits politiques et religieux. Le Saint-Empire romain germanique est ravagé par les guerres et la peste. La crainte de l'apocalypse obsède les âmes. Une révolte éclate avec pour prétexte l'Eucharistie pour les insurgés qui communient à la messe. Ne manger que le corps transsubstantié ne peut suffire à assurer leur rédemption. Ils veulent aussi boire le sang du Christ, le vin, auquel ils n'ont pas droit. Cette insurrection est sauvagement réprimée. Le Saint-Empire s'est désagrégé. L'aigle, son emblème, est devenu un symbole de souffrance. Le peuple attend de l'empereur Sigismond qu'il sauve l'Empire et ouvre les portes de l'âge d'or. Un livre d'alchimie paraît alors, le livre de la Sainte Trinité, qui donne les recettes pour transmuter les métaux et y retrouver pureté et harmonie. L'aigle s'y trouve associé au Christ rédempteur et le Christ aux métaux qui endure les souffrances de la purification. Tour à tour, plomb, cuivre, argent et enfin or. Le Christ est figuré par un androgyne double, symbole d'unité de la matière et par analogie image de l'unité de l'Empire. À ses côtés, un antéchrist, un faux prophète, c'est l'usurpateur du trône impérial, qui est comparé à un mauvais alchimiste, car il ne suit pas les règles morales et ne peut donc maîtriser ce feu qui purifie les corps. Cette image du Christ est une illustration parfaite de l'alchimie. Les couleurs noires, blanc, rouge, argent et or représentent la progression du métal dans le creuset. Les serpents enroulés ou dressés symbolisent le fixe et le volatile extrait de la matière. Le Christ, debout sur les montagnes d'or et d'argent, soufre et mercure, abreuve les arbres solaires et lunaires. Le livre de la Sainte Trinité est un tableau politico-alchimique. Les personnages de la Bible représentent les acteurs de l'alchimie. Le trio Père, Fils, Saint-Esprit forme une unité divine. Ils sont le corps, l'âme et l'esprit de la matière. Pour les alchimistes, la Vierge occupe la place centrale. Elle est la Vierge minérale, la matière sortie du creuset. Elle a reçu l'Esprit Saint. Elle purifie le monde. La transmutation des métaux et de l'Empire assurée, elle descend dans le blason impérial, coloré en vert, couleur du printemps. Elle protège le Christ empereur et l'aigle devenu doré. Il annonce l'âge d'or. Les alchimistes ne confondent pas alchimie et religion. Ils entendent aider, corriger la nature dans ses œuvres. Ils ne prétendent pas se substituer à Dieu. Ils refusent tout recours aux démons et à la sorcellerie. Cela rassure les autorités religieuses. C'est ainsi que l'alchimie n'a jamais été condamnée par l'Église et que des papes se sont intéressés à la fabrication de la pierre philosophale, un terme qui apparaît au Moyen Âge. La pierre philosophale, c'est une pierre qui est plus... Effectivement, ça peut paraître un petit peu obscur de parler ainsi, mais alors si on voulait, on pourrait dire que c'est une espèce de catalyseur d'énergie orienté tout à fait particulier et qui est capable de transmuter sur le plan pondéral un corps simple en un autre corps simple, c'est-à-dire l'or, c'est-à-dire de réaliser au niveau minéral la rédemption du métal. Cette rédemption-là ne peut aboutir et se réaliser que si l'opérateur lui-même atteint ce stade de rédemption. Ce qui implique, pour celui
qui va être tenté par l'aventure alchimique, c'est un, d'acquérir des connaissances théoriques de la matière extrêmement approfondies. Deuxièmement, d'acquérir une pratique extrêmement difficile, puisque les livres qui la décrivent sont codés, sont cryptés, et ce n'est pas pour rien d'ailleurs. Et troisièmement, d'essayer d'atteindre, si on voulait être simple, un peu un état de sainteté, puisqu'on est dans un contexte chrétien à cette époque-là, qui se rapproche d'une pureté intégrale, de façon à pouvoir vérifier sur le plan de la matière qu'on a atteint également cette pureté. La pierre philosophale est l'aboutissement d'un long travail, le grand œuvre. Langage et étape restent bien obscurs pour le profane, car on ne peut comprendre ce grand œuvre sans s'être plongé dans l'histoire, sans être capable d'interpréter les symboles. Entre le cabinet de réflexion et le laboratoire, Robert Delvar poursuit sa recherche. Pendant des années, il a reçu l'enseignement d'un maître, a pris des notes, ordonné les symboles. Parmi toutes les voies proposées par les alchimistes, il en a choisi une. Avec lui et avec ceux qui ont accepté de nous guider, voici la progression vers la pierre philosophale. Ce sont des mois intenses où connaissance métallurgique et intuition des symboles forment un tout. Il a choisi sa matière première, un minerai. Il la nomme le sujet des sages. Il attend le printemps pour commencer ses travaux. Il la broie, puis va la soumettre à une double chaleur, celle du feu et celle plus subtile de la lumière de la lune. Ce qui est considéré comme matière est considéré en fait comme un stade qui est compris entre la mort totale et la pureté totale. Donc effectivement, nous trouvons tous les échantillonnages des métaux, des corps, de ce que l'on considère à l'heure actuelle comme matière. Seulement, la différence, c'est que dans le monde actuel, la matière, c'est la matière. Et ce qui est l'esprit, c'est l'esprit. Et il y a une séparation qui est très nette. Alors que dans le monde de l'Antiquité ou du Moyen-Âge, on n'assiste pas à une séparation de la sorte. La matière et l'esprit agissent. Et en alchimie, on ne fait pas tant agir la matière sur la matière, on fait agir l'esprit sur la matière. Jour après jour, heure après heure, l'alchimiste consigne les pesées, les températures et les réactions de sa matière. Pendant que la première matière subit l'action du feu, il recueille une eau qui a reçu l'influence des rayons du soleil et de la lune, les principes mâles et femelles. Ces mêmes principes entrent dans la préparation de deux corps salins qui, chauffés, interagissent avec l'eau. En les faisant cristalliser, ils captent l'esprit du monde, une force secrète. Pour nous, c'est sûr, il y a une force sous forme d'onde, d'énergie. Et quand on va faire les opérations au creuset, notre matière, quand elle va fondre, etc., va attirer, à travers le fourneau, à travers le toit de la maison, va attirer l'esprit universel. Elle va agir comme un aimant gigantesque. Or, le déclencheur de cette action, ce sont les sels. Voici le minerai calciné. Il faut maintenant mélanger les cristaux chargés de l'esprit universel avec du fer, puis chauffer ce mélange pour qu'il agisse sur le minerai de la matière première. Nous sommes à l'intérieur du vase du grand œuvre, où l'artiste ici a représenté ce qui se passait dans la matière. On a
on a l'enfant qui vient, ou le jeune alchimiste qui lui vient terrasser le dragon, qui est le représentant de l'alchimiste au sein de la matière. C'est la première couronne de l'œuvre. Donc la naissance du mercure, que l'on voit représentée ici sur son char tiré par deux coqs. Parce que le coq est l'emblème de Mercure. Là, il peut péter, parce que si on pète le couvercle ou on le fend, il explose. Ce sont des instants cruciaux, dangereux. L'alchimiste livre un combat intime avec la matière et le feu. La moindre erreur de température, quelques grammes de trop, et c'est l'explosion. Ce que nous venons de faire, c'est l'opération qui s'appelle conjonction et séparation. Nous avons conjoint les métaux et les sels tout à l'heure, et ici, ils vont s'amalgamer, se marier ensemble. Et quand nous ressortirons le creuset, au bout d'une heure environ, nous allons couler et deux parties paraîtront, qui vont être assez facilement séparables. D'un côté, ce sera une partie dite femelle et de l'autre, la partie mâle. Le principe mâle purifié se nomme le caput mortum. Le principe femelle, le mercure, s'appelle le régule. Lorsque le lingot est parfaitement coulé et surtout que le coup de marteau est heureux, on y voit cet agencement en agglomérat fibro-radié qui part en fait des petites aiguilles subtiles qui partent du centre vers la circonférence. En fait, c'est le petit soleil des sages qui est né, c'est l'embryon solaire qui émet ses rayons au sein de la matière qui n'est pas encore propre. Voilà. Le régule est purifié plusieurs fois. Apparaissent alors des lignes ressemblant à des feuilles de fougère. Et bientôt, à la surface émergent des cristaux verts qui reçoivent le nom de lion vert. C'est une étape fondamentale, car ces cristaux verts ont maintenant concentré l'esprit universel, l'énergie, la force. Maintenant, il faut reprendre la partie mâle mise de côté. Ce caput mortum doit à son tour être calciné, purifié pour livrer son esprit et une terre. Dans le caput mortum, savoir extraire certains sels de façon à obtenir une terre qui portera le beau nom de terre adamique et qui recèlera en son sein le soufre. Nos deux principes, tant mâle que femelle, ont été purifiés et il va s'agir maintenant, pour rentrer dans la deuxième phase du grand œuvre, de réunir de nouveau ces éléments afin de pouvoir provoquer ce qu'on appelle la sublimation. La sublimation est un moment de grâce. Au fond du creuset, l'alchimiste dépose la terre adamique, principe mâle, puis le principe mercuriel, féminin, et enfin le lion vert, qui concentre les forces célestes, l'esprit universel. C'est alors qu'émerge un corps, la rémore. Elle est le fruit de cet accouplement et de la fusion des deux principes soufre et mercure. L'aigle est le symbole de cette sublimation. L'opération est répétée 7 fois, car 7 rémores doivent naître. Il faut épuiser toutes les potentialités des deux principes. Et les 7 rémores réunis, chauffés à nouveau, concentrés, n'en forment plus qu'une. C'est le rébi, l'union des deux principes purifiés. Là, nous sommes sur un des mythes de l'alchimie qui est le mythe de l'androgyna, c'est-à-dire le mâle et la femelle en un seul corps, qui est en fait la Vierge du Grand Œuvre,
Donc c'est cette androgyna, c'est la matière qui a son propre géniteur, puisqu'elle elle est constituée de l'esprit et du corps. Le corps qui est capable de réenfanter cet esprit, et l'esprit qui est capable de venir engrosser le corps. C'est toujours la réunion de contraires, de deux pôles différents, qui, s'agglomérant ensemble, forment l'être. Mais non seulement ils forment l'être, mais ils forment une dynamique. Et cette dynamique-là, ce qui la sous-tend, c'est ce qu'on pourrait, en simplifiant l'extrême, c'est l'amour, c'est-à-dire les choses qui rapprochent, qui sont tout à fait à l'opposé du chaos. L'amour est la clé de la démarche alchimique. Le rosaire des philosophes le met en scène pour expliquer le grand œuvre. Les métaux, la chair sont mis à nu. Ils sont vivants. Nés d'une même matière, séparés en opposés complémentaires et réunis, l'homme et la femme sont sur la voie de la pierre philosophale et de la rédemption. La troisième phase peut commencer. Plusieurs mois, plusieurs années ont peut-être été nécessaires pour y parvenir. Elle est rythmée par trois étapes. La phase au noir, puis au blanc et enfin au rouge. L'œuf, symbole de l'unité de la matière, peut alors être confectionné. À l'intérieur du creuset, tout le processus va se répéter et cet œuf, avec son rébis, s'épanouira, se chargera en énergie pour devenir enfin pierre philosophale. L'opération est placée sous le sceau du secret, le sceau d'Hermès. Il y a une espèce de petite voûte qui se forme dessus avec le fondant, qui fait comme la coquille d'un œuf, et cette voûte, elle va disparaître d'elle-même une fois que le miracle est accompli au sein de la matière. Comme dans la guérison des plaies, il arrive un moment où une croûte se forme sur la plaie, et cette croûte se détache d'elle-même jusqu'à l'épiderme tendre s'est reconstitué. Et ça, c'est le grand mystère. La nature reprend son droit et ça ne nous appartient pas. L'alchimiste ne peut rien voir. Il est obligé de savoir ce qui se passe exactement au sein de la matière. Et comme le dit l'adage ancien, les sons, les parfums et les couleurs se répondent. Et ce sont trois signes où il faut être très attentif. Le mercure chante divinement lorsque sa mort est proche. On entend ce cri strident au sein de la matière grave et qui représente la mort du composé. On entend comme un combat, les matériaux qui se combattent l'un sur l'autre. Cyrano de Bergerac dit que c'est le combat de la salamandre, de l'animal glaçant et de la bête à feu, en fait du chaud et du froid. Au cours de la phase au noir, la matière est putréfiée, mortifiée, ses composants démembrés. Des sons s'élèvent. On entend les notes de la gamme et chaque note correspond à une couleur. Mais nul ne peut les voir. Seule la musique du creuset indique la montée chromatique vers la pureté. Pour illustrer cette gradation musicale, les alchimistes s'inspirent des couleurs de la plume de Pan. La phase au blanc indique l'ultime purification des quatre principes, terre, eau, air et feu. Enfin, les derniers sons annoncent la phase au rouge. Elle est symbolisée par un phénix, l'oiseau qui renaît de ses cendres. Donc on a terminé la troisième phase du grand œuvre, et si l'opération a été menée à bien, et là je parle au conditionnel, n'ayant pas atteint ce stade, on devrait trouver, enchâssé dans une enveloppe plus ou moins cristalline, on devrait trouver ce qu'on appelle la pierre philosophale. Mais mise ainsi, évidemment, elle n'est pas assez puissante. Il faut donc de nouveau la multiplier
et la multiplier, c'est de nouveau la remettre en coction et recommencer cette coction qui, ce coup-là, va se dérouler dans une durée de plus en plus courte. Donc plus on multipliera la pierre, plus elle prendra d'énergie, plus elle prendra d'énergie, plus elle sera puissante. L'alchimiste doit encore faire un choix. Utiliser la pierre à des fins médicales pour produire l'élixir de vie ou la destiner à la transmutation d'un métal en or. C'est un phénomène naturel, en tout cas pour moi et je pense pour tous ceux qui pratiquent l'alchimie, il y a des relations constantes entre le monde spirituel et le monde physique, il n'y a pas de séparation et donc il y a un ensemble qui progresse. Et c'est pour ça que les interactions entre le monde minéral dans le four, tel qu'on le voit dans le creuset, avec les interactions qui se passent dans l'esprit par l'entremise des moyens physiques, c'est-à-dire nos mains, ont tant d'importance. Et il ne s'agit pas là de magie, bien entendu. Il s'agit d'un autre plan qui est hors du champ scientifique, qui est autre part. Au cours du Moyen-Âge, des manuscrits circulent dans toute l'Europe. On y trouve des récits de personnages ayant obtenu la pierre philosophale. Cela, toujours, renvoie le lecteur curieux à une quête personnelle à la lecture d'ouvrages magnifiques. L'un d'entre eux, l'Aurora Consurgens, utilise la Bible pour expliquer les processus alchimiques. D'étonnantes images entraînent le spectateur dans un univers complexe et déroutant. Les alchimistes sont des pèlerins. Ils parcourent l'Europe à la rencontre d'autres initiés ou de l'adepte qui les mettra sur la voie secrète de la pierre philosophale. Les pratiques de certains inspirent toujours des doutes et prêtent au sarcasme. Mais les connaissances des plus savants d'entre eux sont reconnues. Ils sont accueillis par les rois et les princes. Ils sont médecins privés, astrologues. Ils livrent leur savoir aux industries lucratives des mines et de la métallurgie. Ils parlent souvent plusieurs langues et connaissent les cultures contemporaines et antiques. La culture grecque pourtant reste encore très mal connue, le Moyen-Âge n'en ayant pris connaissance qu'à travers les écrits arabes. C'est alors qu'au début de la Renaissance, en Italie, à Florence, arrivent des savants. Ils viennent de Byzance, tombés aux mains des Turcs. Ils apportent avec eux des manuscrits. Côme de Médicis les fait traduire. C'est une révélation. Ces textes recèlent des pans entiers de la philosophie antique qui n'étaient jamais parvenus en Europe. Les savoirs grecs et égyptiens mythifiés sont redécouverts. Toute une littérature alchimique est attribuée à Hermès, détenteur de la connaissance, identifié à Moïse. La pensée de Platon et sa conception du monde devient à la mode. Les alchimistes associent leur quintessence, leur élixir, à l'âme du monde, à l'esprit universel, qui répand ses forces vitales et ses bienfaits. La lumière, le soleil et son correspondant métallique, l'or, apportent bonheur et santé. L'alchimiste dans sa cornue condense les forces de l'univers. Il crée l'or potable, l'âme corporifiée, l'élixir de vie. Le monde devient un monde animé où toutes choses entrent en sympathie les unes avec les autres. La magie naturelle parle de magnétisme, de force astrale qui lie microcosme et macrocosme. Un médecin allemand, Paracelse, met en correspondance ces notions de magnétisme et de sympathie dans une perspective médicale novatrice. Chaque astre est une force qui influence à distance l'organe qui lui correspond dans le corps humain.
Si par exemple, un organe est sous l'influence de Saturne, il est malade, ralenti ou mélancolique. Il faut donc prendre un médicament créé à partir d'une plante ou d'un minerai qui lui aussi est sous l'influence de Saturne. Le semblable soigne le semblable. Il suffit d'être capable d'identifier dans la nature, avec l'aide de Dieu, les choses qui se ressemblent, qui ont la même signature. Pour Paracelse, le corps chimique extrait de la matière et recomposé en laboratoire est un médicament que l'on peut produire en série. En médecine, cette démarche nouvelle ouvre la voie à des applications en chimiothérapie et en homéopathie. Même si Paracelse explore un domaine qui n'est plus spécifiquement de l'alchimie, il opère une révolution alchimique en introduisant les trois principes, le soufre, le mercure et le sel. Ces trois principes expliquent le fonctionnement de la nature, ils font écho à ce précepte de Platon. Deux termes ne peuvent former une belle composition sans la présence d'un troisième. Il faut qu'entre eux il y ait un lien qui les rapproche tous deux. Les travaux des savants de l'époque, Copernic, Kepler, Bruno et Galilée, vont modifier les méthodes d'investigation de la nature. Une assise mathématique va remplacer les interprétations magiques et symboliques de l'univers. Kepler met en équation le mouvement des planètes. Copernic place le Soleil au centre du monde. Et le télescope de Galilée révèle des taches sur le Soleil et la Lune. La séparation entre un monde pur et impur est caduque. Malgré cette approche nouvelle, ces savants ont toujours des affinités avec l'alchimie, qui reste un outil nécessaire à la compréhension des phénomènes de la nature. À Prague, les alchimistes venus de toute l'Europe entourent l'empereur Rodolphe II. Il a abandonné son trône pour s'adonner à l'alchimie, à la science hermétique. Il a son laboratoire, finance les recherches en astronomie et astrologie. Il fait de Prague une capitale chargée de symbolisme. Cependant, le travail en laboratoire ne satisfait plus les théosophes issus des manifestes Rose-Croix. Ils ne s'intéressent plus qu'au côté mystique de l'alchimie et préfèrent l'engagement politique pour améliorer le sort de l'humanité. Dans le même esprit, les francs-maçons reprendront un peu plus tard de nombreux symboles alchimiques pour élaborer leur démarche initiatique. Le XVIIe siècle est une période d'engouement pour l'alchimie. À la cour des princes, il est de bon ton d'avoir son alchimiste personnel. Il est souvent à demeure, voire séquestré dans le dessein de donner santé et richesse au roi. Et malheur à celui qui ne réussit pas une transmutation. Il est alors, ironie du sort, brûlé dans une cage dorée ou pendu. Cet intérêt pour l'alchimie stimule les artistes. Ils s'inspirent des mythes égyptiens et grecs, des fables antiques, pour créer de magnifiques ouvrages de figures et d'emblèmes hermétiques. Chaque image est une énigme à déchiffrer. Mais
la pensée rationaliste commence à s'imposer. La démarche des alchimistes est trop ésotérique aux yeux des savants qui réfutent les conceptions magiques ou mystiques de la matière ou de l'univers. La théorie des quatre éléments commence à être radicalement critiquée au sein même du monde des alchimistes. Une approche mécaniste des phénomènes naturels est développée. En France, René Descartes réfute les principes de magnétisme ou de force magique qui animeraient le monde. Il explique que tout est fait de corpuscules qui s'entrechoquent sous l'effet d'un impact originel, un choc initial donné par Dieu. Il tourbillonne et constitue la matière. Descartes se retrouve devant le même dilemme que les alchimistes qui parlaient de la matière première et qui disaient « Mais alors comment pouvez-vous justifier les différents métaux ?» Eh bien, Descartes justifie ces différences par la configuration de ces atomes, c'est-à-dire les formes géométriques que ces atomes vont prendre, et ce qu'il appelle le mouvement local, c'est-à-dire le mouvement qui anime ces atomes. Et d'ailleurs, il est très curieux de voir que dans sa genèse, les atomes sont formés, sont d'abord cubiques, tournent autour du Soleil, mais comme ils tournent autour d'eux-mêmes, c'est ce double mouvement qui rompt le côté cubique des atomes, et ce sont, comment dire, les morceaux éclatés de ces atomes cubiques qui vont former d'autres figures géométriques et qui donneront donc les différences d'espèces, c'est-à-dire les différences des corps chimiques. Cette explication mécaniste du monde est une révolution, mais pour les alchimistes et pour des scientifiques, elle ne donne pas une réponse satisfaisante à certains phénomènes de la nature. En Angleterre, Isaac Newton s'intéresse à la fois au mouvement des planètes et au processus chimique à l'intérieur de la matière. Il est convaincu que des forces, peut-être même une force, assurent la cohérence de tout. Cette conviction vient de son attachement aux conceptions néoplatoniciennes héritées de la Renaissance, mais aussi de son intérêt pour l'alchimie. Intérêt qu'on a longtemps caché au public. Newton apporte une façon de penser et des conceptualisations qui étaient étrangères, pour une part, à tout ce mouvement préscientifique de la Renaissance. Et c'est vrai que la notion de force a dû paraître très mystérieuse pour ses contemporains. Cette notion est au centre de ses préoccupations. Elle va le conduire au principe de la gravitation, qu'il définira par une formule mathématique. Mais l'intuition d'une gravitation, d'une attraction universelle, vient aussi de sa pratique d'alchimiste. Car pour les alchimistes, l'esprit universel prend corps et agit dans la matière. Il a monté son propre laboratoire. D'ailleurs, il décrit tous les matériaux qu'il a achetés. Et puis, il commence à travailler. Mais en fait, je pense qu'il a survolé tout ce qu'on pouvait faire en alchimie à l'époque. C'est-à-dire qu'il s'est lancé dans les fabrications des vitrioles, des séparations salines à partir des atramans. Il a touché à tout, d'après les notes qu'il a laissées, où il dit qu'il a certains matériaux dans le feu, où il décrit minutieusement le comportement des matériaux. Les lois mathématiques qui démontrent que le Soleil est le point central autour duquel gravitent les planètes trouvent chez Newton son correspondant dans la réalisation du régule. Les composés du régule gravitent eux aussi autour d'un point central selon un phénomène d'attraction, de magnétisme. C'est l'esprit universel. Newton a recopié le texte de la table d'émeraude. Et l'évocation de concordance et de force entre le bas et le haut confirme l'existence d'une force dans tout l'univers, à la fois mathématiquement définissable et pourtant encore magique. Il applique cette théorie de l'attraction à distance à ses travaux en chimie, expliquant ainsi les principes d'affinité des particules. Il est aussi persuadé du principe de l'unité de la matière et de la possibilité de transmutation d'un corps en un autre. C'est sur ce principe qu'il fonde sa théorie de la lumière. Il note « Le changement des corps en lumière et de la lumière en corps est tout à fait conforme au cours de la nature » qui semble se complaire dans les transmutations. Newton avait dit que l'explication de la force gravitationnelle n'était pas celle des raisons de l'existence de cette force. Il a donné une loi explicative d'un mécanisme, en sachant qu'il évacuait l'aspect philosophique de la connaissance de la nature. Ainsi,
la science contemporaine émerge bien de pratiques et de conceptions appartenant à la magie naturelle et aux approches expérimentales menées par les alchimistes du XVIIe siècle. Le fait qu'une partie des travaux alchimiques de Newton ait été cachée à sa mort et longtemps occultée pose la question des raisons pour lesquelles la science a voulu alors ne présenter que la face rationnelle et positiviste de sa démarche. À la philosophie de la nature succède la science de la nature. À partir du XVIIIe siècle, les dernières conceptions qui fondaient la pensée alchimique sont récusées. Une nouvelle discipline, la chimie, s'impose peu à peu. Elle a des objectifs différents de ceux de l'alchimie et renonce au rêve de la transmutation. On identifie de nouveaux gaz, on développe une chimie analytique, on étudie la combustion des métaux dans une optique opérationnelle, on ouvre la voie à l'industrialisation du XIXe siècle. La rupture entre alchimie et chimie est consommée lorsque Lavoisier déduit la présence d'oxygène et d'azote dans l'air. Quand nous disons Lavoisier finit de détruire l'édifice aristotélicien, avec Cavendish d'ailleurs qui décompose l'eau peu avant en Angleterre dans les années 1780, non, il détruit l'édifice aristotélicien pour ceux qui étaient tenants de l'aristotélisme, en donnant le sens commun aux éléments. Mais pour l'alchimiste, il ne détruisait rien du tout. Pour l'alchimie, encore une fois, le feu ne brûle pas. Il ne brûle pas dans le sens actuel du terme. L'eau ne mouille pas les mains. Donc nous n'avons pas affaire aux éléments matériels, aux matériaux constitutifs de l'eau, de l'air, etc., tels que nous les voyons. Nous avons affaire à des principes. Si l'alchimie disparaît du devant de la scène, ces thèmes émergent à nouveau dans la littérature et la philosophie. En Allemagne, Goethe s'adonne à l'alchimie et avec son Faust s'interroge sur les dangers qu'il y a à vouloir dominer la nature. L'homme veut se substituer à Dieu, mais il perd l'âme de la nature. Son personnage, tenté par l'alchimie, ne peut plus en comprendre les sens et la science ne répond pas à ses interrogations. Dans son laboratoire d'alchimie, suivant en cela les préceptes de Paracelse, l'assistant de Faust réussit à créer un être humain dans une cornue. L'être dans cette cornue reste encore animé d'un esprit, d'une âme. L'homme est capable de reproduire un double de lui-même. Le danger serait de créer un être fait uniquement de matière. Ce serait jouer à l'apprenti sorcier et un jour voir sa créature se retourner contre son créateur et contre l'humanité. On connaît tous la phrase célèbre « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Pourquoi ? Bien, c'est aussi l'histoire de Faust. C'est l'histoire d'une connaissance qui, n'étant plus bridée par une morale, n'étant plus bridée par une éthique, n'étant plus intégrée dans la totalité de l'homme, eh bien, elle risque de lui échapper. Si l'alchimie ne consistait qu'à retrouver des formules à travers des grimoires, et avoir l'habileté nécessaire et suffisante pour reproduire les opérations du grand œuvre, je vous le dis tout de suite, l'alchimie n'offrirait plus aucun secret, ce ne serait que simplement une physique ou une chimie particulière. Et il y a fort à parier que nos chimistes auraient retrouvé le secret du grand œuvre, c'est-à-dire de la transmutation des métaux, puisque l'on veut parler en ce sens, depuis fort longtemps. Donc il y a bien quelque chose de différent, c'est-à-dire un facteur qui va s'inclure à un moment donné dans cette recherche. Et ce facteur, eh bien, il est évident parce qu'il est marqué pratiquement dans tous les bons traités d'alchimie. Ce facteur, c'est un facteur moral, c'est un facteur éthique. Cette éthique, mettant en avant la relation de l'homme à la nature, devient un enjeu dont les romantiques allemands se font l'écho. À la même époque,
les hauts fourneaux des usines sidérurgiques deviennent les creusets d'où jaillissent le fer et l'acier, ce nouvel or des sociétés industrielles. L'étude de la matière connaît alors de remarquables progrès. Éléments, forces et atomes sont explorés et classés. Ayant rejeté le principe de la transmutation, la chimie n'étudie que la combinaison des corps. Jusqu'au jour où, au début du XXe siècle, dans le domaine de la physique et des atomes, Pierre et Marie Curie vont mettre le monde scientifique devant l'évidence d'une force qui semble bien magique, la radioactivité. Le principe de la transmutation se révèle un phénomène bien réel pour les scientifiques. Phénomène naturel que les physiciens du nucléaire réussiront dans leurs accélérateurs de particules. En quantité infinitésimale et radioactive, ils transmutent du plomb en or. La transmutation des atomes est le principe même de la bombe atomique. Quand on dit qu'un noyau nucléaire quelconque, d'un atome quelconque, explose et libère tant d'énergie, ou qu'il faille projeter contre ce même noyau un neutron doté d'une telle énergie, on dit quoi ? On a mesuré, effectivement, et d'une manière extrêmement complexe, les quantités de force qu'il fallait mettre en jeu pour obtenir tel effet. Mais on ne donne pas le pourquoi de la force. Et je ne le reproche pas, parce que ce n'est pas l'objet de la science, encore une fois, c'est l'objet de la métaphysique. En fondant le savoir sur des modèles mathématiques, la science a ouvert une voie de la compréhension des lois de la nature. Elle cherche, elle aussi, à comprendre les forces, les nombres qui organisent le monde de l'infiniment petit à l'infiniment grand. À sa manière, elle poursuit une quête de la pureté, cherchant dans le désordre des phénomènes l'ordre et l'harmonie de l'univers. Avec toujours cette volonté de comprendre l'origine, le chaos. En cela, elle s'est substituée à l'alchimie. Mais en laissant de côté une partie de l'homme, sa part d'irrationnel, son imaginaire, elle a éradiqué sa lecture et son interprétation symbolique du monde. L'alchimiste avance sur la voie qu'il s'est choisie. En interrogeant la nature et les forces qui l'animent, c'est lui-même qui l'interroge. Nous sommes tous des poussières d'étoiles. Ces étoiles, véritables creuses et alchimiques qui nourrissent l'univers au gré des morts et des renaissances du cosmos. Elles ont répandu et répandent encore leurs métaux et leurs semences. Elles sont la matière dont nous sommes constitués. Et l'alchimiste, avec son feu, retrouve une étoile symbolique, à la fois matière et esprit. Elle est lui. Elle est l'univers. Elle est vivante.